Président Manoka, bonjour. Bonjour, monsieur. Plus de 137 000 abonnés, voilà ce qu'on tient à la minute pour la note avec notre chaîne Congolais de télévision. Au cours de la plaisir sur l'actualité politique et en cours, complètement sur le concernant OIF Kouna, Premier ministre Sama Lukonde, a salué la résolution aux hommes par le chef de l'État, au Badala Kikouna, un membre au gouvernement, pour nous condamner l'agression au RDC au Sibi, Kouna, la partie Est de la République démocratique du Congo, sous couvert et M23. Où ils allaient prendre satisfaction côté à Premier ministre congolais. Donc, mettez sur le concerné, sécurité, il y a Est de la République, toujours faire DC, à du contrôle, il y a cité Kouna, il y a Kobizo dans les groupements, il y a Tongo, au bas M23, qui est en contrôle, toujours, il y a la partie, il y a Est de la République démocratique du Congo. Mais aussi, tout le monde est concerné, force régionale, au Tata Ekolo, au Konzambo, car c'est avec plusieurs voyages qu'on a au Luka, toujours moyen ennemi, il y a pour renforcer l'équipement militaire pour soutenir la FARDC pour nous au Botola, ou bien qu'on soit paix totale dans la partie Est de la République démocratique du Congo, pour nous aussi que c'est trop bête, mais c'est concerné toujours OIF. Selon l'opposant Martin Fayulu, tandis que l'Organisation internationale de la francophonie sera dirigée par la rwandaise Mushikiwabo, RDC doit se retirer. Bonjour encore. Bonjour, merci. Merci, Mbote, Naba, internaute Nyoso, Mbote, na organisation Congo Live Télévision, et Mbote Mingina, Augustin Kabuya, mon ami. Très bien. Avant tout, je vais vous parler concerné par l'actualité politique. Tout le situation de la situation à Lobi Lelo face à homologue na Kenya, William Ruto à Lobi. Mon pays est victime en ce moment d'une agression injuste et barbare de la part du Rwanda. Yo, au cours de l'analyse, il y a la situation chef de l'État en Inde, Pascal Lobi, devant le président Kenya. Oui, merci. Merci beaucoup. Chef de l'État congolais, à Lobi, à Moukaka, t'a rappelé parce que du haut de la tribune des Nations Unies, la 77e sommet à Nations Unies, à Lobaki Yango, clairement, a pointé la communauté internationale du doigt pour Nakoye Bisabango, pour dénoncer l'agression barbare au Rwanda. Azali Kosala, la République démocratique du Congo, et c'est depuis de longues dates. Okay. Alors, sous les silences complices, il y a la communauté internationale. Okay. Donc, tant que Basangana qui nakati ya organisation monnaie des Nations Unies, a sangi si bango pe a ebisi bango clairement que bino boyebi situation oyo pe rapport na yango bozu bobomba kana tiroa bosala ka semblant ya kosala ba intention ya bon ya ba nani procès ya bonnes intentions nzokande bino bozali complice, c'est-à-dire que silence na bino ezali ko accuser complicité na bino vis-à-vis ya oyo ne sute le cas. Donc na ye ko loba yango lelo devant président ya Kenya, et Zali a rappelé. Donc, Azoye Bisaye, Mbalamoko Azoye Bisabato, yo, Bazali, ko syndicat Bangopo, na Makambo, ma processus à Nairobi, tout ça. Donc, tant Azoye Bisa président ya Kenya, Azali ko lobela directement, indirectement, na ba organisation menene o ya multinationale, topé à communauté internationale, pour bailler bah, que Rwanda a zali ko agressé, agression à Rwanda na RDC zali baba pe tokondimaka yango ata mukete pe bakoko na biso bakufa ba mfumu kimbangu ba Lumumba na ba Etienne Tshisekedi bazali d'accord te na eloko yo Rwanda zali ko sala. Très bien, est-ce que zali ki nécessité à rappeler ngo le sous tandis que au lieu de ko sala ba rappel tongo me dit pourquoi na ba payana yo ba ko ya ko tala ye rappelle oui, c'est bon que Rwanda est de la République allait dire ils allaient toujours agressé par le Rwandais ou bien ils ont au lieu à passer directement l'action n'importe comment on a pu na bafar d'essai bah qu'on na 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 M23 bah qu'on récupérer bah partir na yemkem que eux allaient qui occupé par le M23 bah soutenir bah renforcer faire d'essai au lieu mon conseil bon qu'on continue toujours dans la situation bon on a été que en quelque sorte quoi affaiblir la population tant moment on a été que le numéro 1 yamboka à cause ça là toujours la situation yam rapport dans Kolobaki RDC a agressé na Rwanda. La diplomatie, la présence compte, le langage compte,
les gestes comptent aussi. Les actes aussi comptent. Les actes comptent aussi. Ok. Si quoi, Muto Toyambi, c'est les représentants alliés, c'est Azali sous les États-Unis. Vous voyez bien que les États-Unis, Azali très présente à Katia Kenya. Et les lots, les 21, il fallait passer là, Masolo, il y a Nairobi. Ok. Hein? Par rencontre, il y a Nairobi, selon feuille de route. Il fallait ça le malibu. Mais. Le coup là, ben, intransigeance, il y a RDC à l'objet qui n'a pas négocié, n'a pas terroriste T. Bango Bazako Teni va négocier. Maintenant, William Ruto a été Awa. Quand il y a Awa, il faut que vous ayez déjà position à Bissot. Que non, Rwanda, Masolo yo yeli, Rwanda a agressé Bissot. Et cette agression-là, c'est barbare, c'est il faut qualifier un mot déjà. Là, ça donne une ligne de conduite. Na mopaya na yo, aye ba ke ah, ce qui na yeki na masolo, na ndenge ke na zala na moi penchant, na aye ba ke déjà, autre nanga azolo aye bi déjà que agression à Rwanda, au Rwanda zako sal azali auteur nango, ezali condamné position abiso face à Rwanda ezali boy. Donc déjà ezali ligne de conduite à OPS. Europe, ça est déjà moi idée. Il y a Eloko, il y a Yeli comme mission à Wana Mbokanabis. Moni, qui est tout qui a été tout dimarandimara gâté. Ça dit qu'il faut couper ça. Maloba, on a mon tata Mokonda Pessier et Zali, ligne de conduite. Aïe, bah déjà, présage ni ni tozan en Wawa. Très bien, président Manoko, tout ce que la gare en Moukin, la situation à Mokonda Mboka. Est-ce que Ndenge Mokonda Mboka, c'est la situation où la présence ya homologue na Kenya, est-ce que ceux qui t'attaient au Kola Mboka en Dimi vont dialoguer na Nabaï M23 malgré le processus nion soit en tamant qui tant sur le plan diplomatique au Banda Kuna quand Mboka ya Kenya au Kenya na Angola tu au Kenya na niveau États-Unis avec une médiation ya président français mais rien n'a été abouti sur le plan positif. Est-ce que présence ya président Kenya OE qui souhaite à faire convaincre chef de l'État congolais et au Kenya dialoguer, est-ce que ça va apporter quelque chose de positif pour la partie est de la République démocratique du Congo? Faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas seulement infiltrée à l'est de la République. Aujourd'hui, la République est infiltrée presque partout. Oui, la République est infiltrée de partout parce que déjà dans les années 2009, 2012 aussi, le Rwanda a signé avec la RDC. Ok. Comme sous Oyo, les autres ont déploré en haut. Tu peux pas bomber la peuple, tu peux pas bomber la institution publique. Mais maintenant, là, les autres ont victimes en haut. Oyo, il obéit qu'il fallait Rwanda à ça la sécurité, à assurer sécurité à RDC, à partir de la RDC. Donc, Rwanda a assuré, a sécurisé RDC, n'a pas frontière, n'a union surtout, n'a pas pays voisin. Ils ont le coyo à ta pays mon côté l'imamosani. Je ne sais pas ce qui de quelle autorité à régime passé ne bandima qui et le connaît moi. Mais les lots oyo mon continabiso a coquitté pour déjà payer bravo à Fati Béton déjà à l'objet que to coquitté qu'on négocie dans le M23. Ok. Les lots à coco ça la rétropédalage à l'objet que non to négocier ou ata yesu kuta kiti ata nani kiti baloba que non bon te convaincre yo que ndé négocier na ba M23 et ko sala makate déjà ko sala makate et ko sala makate parce que déjà M23 baza qualifié comme ba groupe terroriste na monde entier on ne négocie pas avec les terroristes. Terroristes c'est ba beta kayende. OK. Ce qui bitumbe umeli bozo umelane pobo luka voisin moyen pobo détruire. On ne s'assoit pas autour d'une table pour na bo trouver compromis. D'abord dialogue veut dire bokaboli maloba hein o yaye na ba besoin na ye na ba na ba 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 ayé na cahier de charge na ye o paye na cahier de charge na ye dialoguer do bokati hein. C'est-à-dire, si Kaboli na mi balé, nga mou mi balé, yo okon ko perdre na cahier de charge na yo, ba exigence na yo, perdre ndambu ou pas perdre ndambu, bo zui ndambu ya ou ndambu ya ou bo sangisi, pour bo marcher ensemble. Ok. C'est ça, na bo pétenyon, c'est toute explication. Siko, tango M23 to vant na ba mou na kiti, nga mou na ngamu, ba mou ba e na
oyoki ke bango bayaka na idée nini brassage mixage oh to sala ka bambala nyonso et puis la RDC est victime de tout cela parce que ba brassage na ba na nyonso to sala yango ka on te créer un problème siko soki le loto vani na bango et que ton dimi to sala na bango dialogue ya ndenge wana siko yo bango balobi ke non il faut to ko institution. Il faut que tu en armée, encore que ce sont des généraux, ce sont des colonels, Oyo, basé à mon autoproclamé, na basam bakuna. Si vous savez que le voilà, tu as en bango na quatre institutions, na ba institutions sécuritaires, tout ça là public, tout pays politique. Donc, tu as salaga na cycle infernal, n'importe quoi tu salaga, tu as salaga et l'autre mokote y a d'avancer. Kaka ndenge Kabila basalaki soki combien de fois ya brassage wana na ba mixage ndenge to kosala lisusu on aura rien résolu na situation sécuritaire ya SA mboka na biso. Donc les Kamozali awa que pas question de négocier avec les M23 qui sont considérés comme des terroristes soutenus par les Rwanda, soutenus par la communauté internationale ou le multinational. Mais to kondimande koyoka ba congolais Nairobi, il sera question peut-être si les questions que toke ndikuna et que vous allez dire que toke ndikoyoka ko consulter ceux qui sont là-bas qui sont congolais ba congolais et ça qu'appel ba M23 ce sont des groupes armés congolais au bazar ba congolais on les prendra to ye na bango na Congo maintenant là DDRCS et Zali, ba kota kuna, ba zala réinsérer na ba structure sociale yamboka. Pas question na ba structure politico-militaire, topé sécuritaire yamboka na biso. Parce que trop, c'est trop. D'ailleurs, les vieux bosso, il y a l'Assemblée nationale à l'Obaki Yango, la Sénat, ba ati le coup, ba martela qui l'a dessus, et les autres autorités ont donner réponse à cette situation. Donc, population pays a tous assumé que Bazali, Ozage, Kotala, Dengenini, Likamwana, et Koyi Kozong a les sous-souté, il y a brassage, il y a mixage, Oyo, Tozong et Lagaka, cycle infernal, Mokobu, et Pesa la soumission solution. Donc, si Koyo, pas question, il y a une négociation, il y a un M23, Mokozambo Kassa, à l'Oba qui est pour ça qui est déjà. Très bien, tout bête, ce qui me concerne, la sécurité et à l'est de la République démocratique du Congo, le Tolamo qui est la bonne nouvelle, Kuna n'a parti à Kobizo, dans le groupement, il y a Tongo, FARDC, à Zuma Kassi, Makoki Pena, il y a délogé, il y a M23, au Bandai qui a occupé la localité, il y a parti au niveau, il y a Routchou. Que dire de ces actes où FARDC a fait ça, malgré Milinga Milinga, ils ont un cas de Bango, effectif Mobolu. Mais par exemple, continuer toujours pour défendre l'intégrité territoriale et la République démocratique du Congo. Tout à fait, tout à fait. Il y a besoin que un peu de volonté et qu'on coupe sa solution qui toque. Ok. Ça dit que ce qui a manqué aux Congolais ou aux dirigeants congolais dans le régime passé, okay, c'était la volonté politique. La volonté n'y était pas. Peut-être pour raison d'origine, nationalité douteuse ou comment ils ont évité. Mais Menala, aujourd'hui, c'est le digne fils du pays qui dit que Menala, j'affronte l'affaire. Alors, il y a que ce qui peut n'a recoufa, n'a recoufa. Parce qu'en terme, on se sent que même s'il faut, s'il est question de sacrifice suprême, n'a pas préponé. Ça dit que Menala, avec la volonté de ceux qui sont d'accord de sécuriser le pays, d'imposer l'autorité de l'État, Félix Tshisekedi, Azali Kosala, route naïe. Azali offrait chemin naïe. Parce que le Congo avait beaucoup de réalités, tant que Félix a eu le pouvoir. Beaucoup de réalités. Au moins, il y a finance publique. Il fallait Gilles Alinguette là-bas. Et, au moins, côté finance, il y a eu maîtrise. Maintenant, là, côté sécuritaire, il faut. Tout ça, on a dans là. Mais les Christian Tshiwewe, tout ça là, Baba Chico. Donc, il fallait un temps. Mais il a eu du temps, Yako. Observer, il y a quoi analyser situation. Maintenant là que ça commence à payer, ça commence à payer et nous y allons petit à petit. Bambo Kawala toko récupérer nous. Les FARDC sont hyper mobilisés. Okay. Les chefs de l'État ont tout mis en place pour que bah militaire Nabiso bah les laté bah ça les Sengoku tu y a parce que au Ébique, Sokozana et Tumba,
au Monique, il y a un ayoto, papa ayoto, grand maître ayoto, asa simanayo, avec tous les possibilités nécessaires, hein, avec tous les nécessaires, en tout cas. Au coquille, à ta au hasard, Bosson, au Zomon, à Kéo, à Sango, à Lombé, au Koban, à tout affronter pour Ebike, Nazan, à Nyosso et Sengel. Mais talentamou, Bassouda, Bazaré, Colé, la Babique, envoyez-nous les munitions, armes, manu, tout ça, pas Tindeli Bango, autre la voix. Mais avec tout ça, là, nous sommes pas stockés dans la carte. Mais Bokolon, à Dengeni, la carte, il n'a pas traître. Ça dit que, Bino, Bazo, garder Mandoki. Il y a un entrepôt, mais il y a un signal rebelle. Non, il y a un rebelle à Boto. Mais maintenant, là, ce sont des dignes fils du pays. Oyo, bandimi que jamais mon goût n'a pas connu au Colabisso, jamais tu as cédé territoire, souveraineté à l'Abisso, tu as défendu mon goût parce que mon goût a été volonté d'abord et puis n'a pas coquille. Ok. Ministre de la Défense, qui est dans l'Assemblée nationale, dans la Sénat, a dit que le député va bien au Zonga, au Zonga, au Salam Moussa Kitok. Zonga, Kende, Salam Moussa Ndega, au Lobiwan. Et il est rentré. Donc, Makamouzali, Kotam, la Malamou, va FRDC, va se conduire très bien. Maintenant, là, Soga, Mogokoutou, a dit, moi, il y a des soupçons, si Baten est Baoki Netike, il y a sa traître. Il va éliminer. Si on a un monicique qui est traite, on a un élément sur le terrain qui est déterminé, qui peut imposer l'autorité de l'État. Avec toutes ces conditions, les soldats ont été traités, est-ce qu'on peut espérer que le Bounagan qui va faire aujourd'hui dans les 5 mois, il est sous contrôle M23, sera récupéré, et que la partie qui est occupée par M23, un mouvement du 23 mars, est-ce qu'il va la récupérer avec toutes ces conditions? Parce que le gouvernement, certes, a voté qui budget Moko et Malunga pour affecter l'armée, mais jusque-là, ce n'est pas encore un budget réalisable. Ils ont dit promesse sur Salaki Bango, mais non, il y a une pena, il y a beaucoup de samité, est-ce que ce soldat-là sera motivé avec toutes ces conditions? Les militaires sont hyper motivés, nous avons deux éléments. Ok. Il y a deux éléments. Il y a d'abord le fait que les soldats sont mobilisés, motivés. Le chef de l'État a mis les paquets. Même si nous avons un budget, il y a 1 milliard pour les effets militaires, où ils ont prévu un budget en 2023. Mais si déjà, le chef de l'État a checké, donc le gouvernement a posé le problème, il y a 1 milliard, le budget est 1 milliard pour l'armée. Et ça dit parce que déjà, si Babandagi déjà a paquet pour la FRDC. Voilà pourquoi, une motivation, il y a ça là. Mais deuxième chose, c'est que, nakati ya mama solo ndenge zali ko kende, nakati ya diplomatie oyo mokonda mboka azali ko mené na niveau international. Au commun, que les M23, oyo, oyo kaki kagame, Kozwa maloba ko retirer c'est la cesser de faire pour que le moyen de dialoguer et tout le ça, siko, ça dit que diplomatie bimisié sikoyo que c'est lui le patron de M23. OK. Et bimisié pour kalaya zay ko bakete, ce n'est pas mon affaire, ce sont les affaires des Congolais. Mais maintenant là, yé mutu aza affaire na été. Ba M23 baza ya été. Mais ndengeni niyozi azolo bakula que na ko obtenir retrait ya ba M23. Mais pendant que Gazolo Babongo, les M23, tu as occupé déjà que Babani s'est récupéré. La localité a été occupée. Tout à fait. En pillant biscuits et comme ça pour la route. Donc, tu comprends que c'est lui qui est le vrai patron, il y a pas M23. Mais maintenant, là, la deuxième chose, on a dit que le fait qu'il y a Bango, il y a pression diplomatique va subir, qu'on s'est retiré. Et les M23, histoire de Bango, et aussi là, la RDC va récupérer toutes ses frontières. Toutes les limites de la RDC, ils vont la sauvegarder. Et M. OK. Donc, ça, c'est la victoire diplomatique. Oyo, Tokoki, Teko Bombayango, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la première fois, le tout premier président du Congo, Oyo, a affronté l'affaire parce que. Vous vous rappelez que dans le livre, il y a Tirénée, Solomakoï et Alinganga, Père son âme,
il était le patron du journal Le Lima, Azalaki, a Komaki na Mukana na que l'affaire, il y a agression rwandaise na RDC, Azalaki est traité avec beaucoup de légèreté par toutes les autres autorités, Oyo, a dirigé qui RDC. Mais maintenant que, parce que Alobike, Nakati a beaucoup, Mukolo, il y a un Congo, il y a affaire Oyo, il prend les corps, il y a un sérieux, surtout. Bah, pour traiter quand il y a un pays et aussi là, le coup la paix et comment déjà traiter et comment déjà une affaire passer na kati ya ya Uganda, ya Tanzanie, ya Kenya, ya Éthiopie, ya Bamboka, Érythrée, Bamboka nous tourne et si bah, tout y bah, pose un problème. Les tout ils n'ont pas posé problème seulement au Congo, mais presque dans toute l'Afrique. Maintenant là, bisoka rendez mon tout aux yango petite affaire, tout aux honnêtement moi une affaire légère, c'est comme ça que ça ezo ko kangabiso na kingo to komi ko perdre bande ko na biso to perdre déjà plus de 10 millions de congolais ba koufi peut to komi ko perdre na mabele et s'occuper de komi boy parce que si malabango na talaki ndeko nani alobi que ndeko sango. En tout cas, félicitations à Yalobi que la communauté internationale a bazo senga biso ba ko senga biso ba ko tonda kate soko ba sengi mabele ba sengi oyo ba finalement ba senga na basi na biso et peut-être ba senga na biso moko do ba tonda kate donc moni victoire diplomatique oyo toujours consacré en go na Nzambe pe na chef de l'état Fatih Beto. Très bien, victoire diplomatique. Tout ce qu'on consacre mon Nzambe pe na chef de l'État pe na Nzambe. D'après bah dire il y a président Florentin Manoka ou y a Kobeta ma gamme concerné actualité politique. Président tout bêtement qui ma gamme concerné force régionale ou ils allaient qui vraiment détermination y a chef de l'État congolais. Donc ça là va voyager belé, ça va voyager qui même traité d'une manière côté opposition c'est un juissaire à zéro lien bon à l'État qu'on ait même au parti par là tout qu'on signale ah ok bah voyager au moins et comme qu'on foute quelque chose, Ouganda a déployé quand même plus de 1000 militaires au Bazala dans la partie est de la République démocratique du Congo pour nous combattre côté Farnese. Est-ce que le soldat a une infiltration d'une manière indirecte ou bien il est vraiment pour nous défendre l'intégrité territoriale et RDC côté Farnese? Ils ont qui souhaitent Nabiso Congolais par le biais du chef de l'État qui engage la République démocratique du Congo pour qu'on ait une institution. Et si quand on a soulevé Beta Marakuna, il fallait maintenant tous à la paix membres pour nous, institution union citoyenne, la structure union citoyenne au niveau africain, pour que Toyeba Makamuni Salimango. Le quoi, il y a tous un problème, il y a sécurité. Notre sécurité est infiltrée de depuis longtemps, de partout aussi. Il fallait maintenant, avec l'effectif, il faut le dire, il faut RDC mon ennemi. Si on a un problème, il y a un problème. Il fallait que Mbappé, ma force, ça existe. Et ça, c'est un pays, il y a un pays, il y a une force étrangère dans Mbappé, pour imposer paix. Encore que tout ça, un problème sérieux, il y a Kimia, il y a sécurité, il fallait que Mbappé, force. Mais alors, Ougandais, Kenya, tout ça, Ouganda, le bien, ça 1000, Burundi, a 600, Tanzanie, Soudan, on tient à 750. Donc, bah, tout ça là, c'est pour sécuriser l'Est. Vous verrez que tous ces militaires là, bah, vous avez dans l'Est, il y a la République démocratique, dans le Nord Kivu, pour la sécuriser, espace ouan. Et ils seront bien contrôlés par les FRDC, par l'autorité FRDC, parce que, par contre, quand on a la divagation, ils seront bien contrôlés sous le leadership, il y a Christian Tshiwewe. Et puis, na Chico Tamboué, Oyo, bah, placer Bato, Oyo, Bamozana, Bango, en collaboration pour que Bazala a pu contrôler. Bakozala, le col à électron libre dans la République démocratique du Congo, Bakozala Pona, contrôler quelque part, et puis, comme ça, la sécurité, il y a un coin où Bakocha Bango, Bako placer Bango. Très bien. Président, si vous avez un pays où vous avez un pays où vous avez un côté FARDC, c'est quoi leurs intérêts? Vous avez comme intérêt sur le plan de retour? C'est un membre, du groupe, un membre de la structure. Il y a EAC par exemple, membre de l'EAC. Il y a un problème, il y a un malade, il faut que vous vous engagez. Donc, c'est dans le cadre, il y a Koyokana, tout ça, on a catastrophe. C'est pas que la RDC est au Futa, Mbongo, Nengi Bangote. C'est parce que,
tozali na maladie maladie na biso e senga batu ba voisin ba ya kosunga biso oya na mai oya na bitabe oya na bibi nguba tonu tout ça pour la santé mais bangotu bangotu ba ye na cadre ya ya coopération autres en ngo ya amitié autres en ngo na kati ya EAC si bien que to boy na biso Rwanda parce que les problèmes oyo ba yeli ezali biso na Rwanda tous en a problème to Rwanda kozalate même l'Ouganda totiki Ouganda zala parce que to lingite tous en ba conflit déjà avant mais la communauté internationale le na longo na ba commission ya sanctions ya Nations Unies ya Conseil de sécurité loko la bazu be Allemagne so tango ba okende ba sanctionner parce que ils ont déjà pointé l'Ouganda et le Rwanda. Ils ont pointé l'Ouganda et le Rwanda comme étant bah, instigateurs de la guerre à l'Est. Faisant de troubles dans la carte. Si vous avez sanctionné, si vous avez sanctionné l'Ouganda, poliment, vous avez l'Ouganda. Non, vous avez sanctionné, 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 vous nous quitte, il quitte la RDC facilement. Donc, tout ça, la politique, c'est ça aussi la beauté de la. D'une bonne diplomatie. Il y a politique, il y a montaïbi politique, il y a roi. Donc, mais il faut aller avec le temps et avec précision. Très bien, il faut aller avec temps et précision. D'après toujours le président Manoka Dalimoko, et analyste politique, quoi, concerné politique, République démocratique du Congo. Actualité est beaucoup plus aussi dominée qu'on a niveau de Tunisie, au Salama. Par exemple, clôturer le lot. Sommet organisation internationale de la francophonie, Samalou Konde, le premier ministre congolais, après avoir boycotté photo d'ensemble avec le président rwandais pour nous relaxer que la RDC n'est pas d'accord avec vous dans tout ce que vous faites dans notre territoire du côté partie est de la République démocratique du Congo, mais le même premier ministre, il est satisfait de la résolution de Zamikouna et pas le chef de l'État, un membre du gouvernement, a participé à ce loi pour nous condamner. Agression au RDC au Sibir, la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que tout le monde a pari gagné sur le plan de diplomatie, les chefs de l'État congolais, ou bien les alliés, la déclaration politique qui a fait que ça pour satisfaire RDC d'une manière hypocrite? Tout à fait. Je dois dire que c'est un pari gagné, okay. Diplomatie, parce que qu'on n'est pas Rwanda endémique à retirer M23. Déjà, tu vois qui président Macron, il doit tout faire. Il est en communication permanente avec le président rwandais et le président Félix. Alors, maintenant, tu vois qui na OIF Ndekuna et si le Rwanda a dit que n'a pas retiré par M23. Donc, là, a retiré par M23 et le coup, il y a un coup de bombe pour Wangana, a dit qu'il y a un forcé, topé, amené, contraint à Kundima Yango par sous une autre forme que à retirer M23, à obtenir retrait à M23. Donc nous avons compris que c'était lui le patron de la M23 dans Outi Kolobango. Mais oui, parce que Bisso Tozan et Sengo, pour moi, Bisso Yalia, Rwanda, Naba M23 Naye, va libérer le territoire conquis Namale. Va libérer parce que biso tozana la option miyakokende ya mama solote ya ba milayi milayite problème la biso zali ya osalaki biso mabe obotolaki ba territoire bomi biso longwa na ba territoire na biso le reste viendra après to koyeba eloko nini to kosala après que bokotika ba territoire na biso oko bokangaki sikoyo na kati ya OIF kuna na Tunis ezalaki d'ailleurs j'ai salué l'action du premier ministre Samalou Konde okokanga photo na agresseur ndenge nini. Quand la photo n'a agressé un dégénéré, quand la fin de l'opinion n'a pas eu, dans la matanga, monto dans zone les laoyo, mubomiye wana. Si comme mubomiye aye, tu coutais dans l'opinion ma voisin, tu quand on a une photo, bato mon na kaya, tal mubomiye monto bao les laoyo wana. Et si matin, quand la matanga bato n'a eu mubomi na est. Si comme bato n'a eu kuna na yo, na o kanga mubomi ma photo. Bako ngole ba ondi masama kuna ya wanengeni. Aozong a l'ambo kandi. Vraiment, on a salué l'action Naé. Ça, c'est vraiment le nationalisme. Okay. Donc, à Kourao Kangana, photo, là, Kagame était
Simbaté, donc ils ont une très mauvaise image, un très mauvais message. Il y a repris ça dans Imboka, va congolais. Déjà, même si ça brûle à l'est, na ouest c'est qu'on a battu que na est c'est Imboka na biso. Ils ont donc voilà donc. Satisfaction et résolution, il y a organisation internationale de la francophonie. Ils appellent en quelque sorte pas vers le dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Ouganda. Dialogue na Rwanda tosolanine. Tosolanine. Le chef de l'État a pesi bango tolobanine. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire. A pesi bango devoir. Exercice moko très difficile. Rwanda a accepté que na kozwa retrait ya ba M23. Pour comprendre que Rwanda n'est pas trop ba M23. Maintenant là, ba M23 Babandi qu'on s'est retiré. Car en dingue, car malobai, kuna na Tunisie, kuna déjà le terrain, Babandi qu'on monte déjà moi bas retrait. Tous ils là, bas comme ti au-delà bas frontière, Bunaga na pina bas bimil Bunaga bas côté na porte kuna al. Toi la police n'a vu ça et qu'on gagne dans Mawana. Maintenant si quoi tu voyais Belogonini, tu coupes ça. Si quoi yo, président Kenya aye awa aye. Vous voyez que les Américains, les multinationales, tout le monde a été en train de se faire. Ça veut dire que les gens qui ont été en train de se faire, ont un message pas la communauté internationale. Ils ont négocié directement. Ce qui a négocié, ils ont négocié avec eux. Négociation, pays à négociation, c'est dire que leur dire que retirez vos histoires, vos bananes, vos abino. Donnez-nous notre liberté, respectez notre souveraineté. C'est ça ce que le président Félix a rappelé à John Kerry quand il était récemment ici à Kinshasa, dans Makambu, il y a COP 27. Ouais. Donc, Makambu, exploitation pétrolière, tout ça, bah, gaz. Au moins, Bango, Bazali, Yako, Sakanana, souveraineté à Congolais, le président, ce qui est non, il faut respecter la souveraineté des Congolais. La souveraineté n'est pas bradable. Maintenant, là, Bissot, Tozotala, Makambouala, surtout, pour que, de manière à ce que Bango, Kenya, la communauté internationale, va respecter la souveraineté à la Congolais, va libérer la frontière à Bissot, la Congolais va comment revivre, tout en voulant, dans toute quiétude, dans la liberté, à Bissot. Et voilà, ça, c'est le Congo que le peuple attend de tous. Toute cette communauté internationale et Félix a la kaki que n'a pas payé sa kimia n'a congolais ndenge bako konabiso o balali bakenda batika biso balbay que tokozara na kimia na biso na mabele na biso pembo kana biso ko ko subi parce que o nyo soto bazo sa les ali ko luka okabola Congo ndenge basi balengela déjà carte na bango ya République de Kivu, République Kata Katanga, République de l'Ouest avec Bandundu, Équateur et une partie du Kasaï. Très bien, tout est toujours qu'on a dans l'OIF. L'opposant Martin Fayulu n'a pas resté les bras croisés. En commençant d'abord par faire des déclarations, ce qui l'OIF a affirmé bien le bilan dans haut de tribunité que l'agression au RDC a aussi envers Rwanda, RDC fait Bimana. L'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi après avoir reconnaître l'agression au RDC Kozoa, a signé tous les dirigeants congolais pour dire que tant que le OIF est dirigé par la Rwandaise, il faut RDC et Bima. Dans la structure, wana. Que dire de ces déclarations? Mais il fallait que sa candidature pour remplacer Louise Michikiwa. Olia Sarabiso Maki, il n'est pas en Pamba. Eh, bon, na kanisaki que Fayulu aza na moi mayele. Hein? Na kanisaki aza na moi mayele, il y a politique. Martin Fayulu. Martin Fayulu. Aza élément de distraction makasi na katia pour scène politique congolaise. Ok. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire des déclarations, il faut, à part moment, il faut. Oui, mais que un mot au Kabila, au moins, il y a un peu de Kabila, 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 il y a un peu de
il y a Fernand Kambere, Oazolobake, ce qui 2023, Félix, à ta élection, toi élection, tu fais le Mwakak. T'as là, bah, maïe, les bâtons. Mais voilà, on a beaucoup attribué, on a Kabila, et là, Kambere, on a Kambere. C'est une sottise, c'est une bêtise d'ailleurs. Ok. Hein, quand il y a politique, le lion, quand il y a démocratie, au gros, le bâtons, on a été. Mais maintenant, là, ce qui faillit, là, qui peut être une sagesse, le col à mon mouquet, le roi Kabila, bon, au cours que c'est terne, yo. C'est-à-dire, bah, tout va sauter, autant, bah, on va tout réagir, yo va sauter, yo, le bâtons, noté. Mais au long de ma ramoue et ça correspond à la réalité. Si vous avez un président élu, vous avez un président élu. Si vous avez un président élu, vous avez un président élu. Parce qu'il se tape la poitrine qu'il y ait un président élu. Mais si vous avez un président élu, il faut nommer Moutouno pour la cité. Ou bien il faut un candidat pour la OIF. Au Tikagi, lui, il y a un candidat qui est à la cité. Il va reconduire comme secrétaire général la francophonie. Donc, Koloba que, déjà dans le discours Rwanda, Oyoki a autonomie que le Rwanda a reconnu que a obtenu retrait, il y avait un M23. C'est que, Ayemi que, pour la paix, il faut tout ça, là, tout contribuer pour que la paix revienne au Congo, nous allons obtenir, à copéser pour arrêter, à obtenir retrait, il y avait un M23. Mais c'est ça. Et là, on met ce droit au Kayamouanet. Lorsque la Belgique, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres pays ont condamné récemment ici, pour la deuxième ou troisième fois pour les autres, mais il y a un Kayamouanet. Il y a un Kayamouanet. Oh, président Félix Akiné, la Nations Unies, il y a un Kayamouanet. Mais maintenant, là, à Yébique, et là, il y a un Kayamouanet. Comment il y a Yébique, au Lobabongo, Rwandais bah, condamné les M23, l'agression rwandaise. Il y a M23, c'est comme ça que Alingi, Aloba, Poboyo Kanetike, Yé Alobaki, a condamné M23, Topé, condamné l'agression rwandaise. Mais Aïebaïke, Kobeta Lissolo Bongo, parce que ce sont les mêmes gens. Ceux qui ont soutenu Fayulu dans l'élection en 2018, les multinationales ont soutenu qui est. Mais ce sont les mêmes aujourd'hui au Bazanaye de Mèche, Bazanaye, au soutenu M23, au Bazo soutenu le Rwanda. Ce sont les mêmes gens. Donc, ils connaissent, même les textes qui vont être lus dans cette organisation il y a francophonie. Et ça, semblant, et on sait la semblant. Nous, on est déjà matures. Politiquement, nous connaissons déjà nous savons que les blocs patriotiques, mais ils sont avec les kabylistes là-bas. Mm-hmm. Oh, ce que les kabylistes disent aujourd'hui, c'est exactement ce que les Fayulu soutiennent. Et en même temps, ils ont créé aussi les cadres de frissure, nous sommes dans la partie minée. Même à l'UDPS, ils sont aussi là-bas. Même à l'UDPS. Donc, Bazali Koluka, pour déstabiliser Mwana Mboka et Balobakeno, ce qui, les Rwanda pilonnent toujours, il faut se retirer. Ah, il est à se retirer. Très bien, Mwana Mboka. Bissot, Togozalawana, Togolanda, Tozalarakuna. Donc, on quitte côté qu'à l'institution nationale et panafricaine pour c'est-à-dire, tout briller dans l'absence. Il faut être là, tout est bas. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Très bien, moi, je suis en train de faire un peu de temps pour que je suis en train de faire un peu de temps pour que je suis en train de faire un peu de temps pour la partie présidentielle. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'IDPS? Oui, à l'UDPS, il y a, ça c'est le parti cher à Étienne Tshisekedi. Tout à fait. Depuis toujours, il y a toujours, par rapport à temps, à un moment, il y aura toujours la frustration. La guéguerre. La guerre de positionnement. Ça existe toujours depuis le vieux Étienne, même bien avant. Donc, quand en 1980, tant que le 15 mars, parti Bima, le 15 février, et ils ont toujours macambouqué qui est bah n'importe quoi parce que pour différencier ils de pèse opposition t'es une majorité une au pouvoir de l'eau
Oui, à l'opposition, il y avait une organisation. Parce que le même acte que Bono, c'est en opposition, ça se répète toujours au pouvoir. Non, mais les vieux Étienne avaient dit qu'une fois IDPS au pouvoir, IDPS peut en opposition. OK. Ça dit que les langages, l'opinion est libre. OK. L'opinion est libre, mais les statuts réglementent tout. Au cause d'une opinion, nous avons membre IDPS, je peux soutenir mon propos, mon opinion, mais ce qui est frustré, disposition et statut, la cause a remis à l'ordre par la commission de discipline, la commission nationale de discipline. Donc, ce qu'il y a, nakati ya kuna muto ya koko lobanaye, ako osala naye makamu. Ata oza likolo, atoza na se, atoza na niveau nini, kozongi sa ona nzela na commission de discipline. Est-ce que décision prise par moi, je suis un Victor, est-ce qu'il est vraiment au moment opportun ou bien Azali a la qualité, il y a une décision, il y a qui a destitué le secrétaire général Augustin Kabuya. Bon, déjà, au moins, il démarche, il y a vu Wakwenda, il y a qui n'a pas biaisé. Ok. Wakwenda a procédé à qui m'a bé. Ok. Secrétaire général, Azali membre, na kati ya présidium, il y a parti, na kati ya CNDP. La commission électorale, la secrétaire générale, bazali présidium. Le yoko la te la mugika na te moko boy bon secrétaire général à Lomwe. Té, wana c'était mal parti, il était mal conseillé en tout cas. Mais wana tikana nkutu wana na fungoyelo volé mususu. Allez-y. Wakwenda le papa Wakwenda, il faut un peu du respect là papa la maison. Papa Wakwenda, un combattant, c'était un haut cadre et a parti depuis longtemps. Bien que le parcours n'ait pas été un peu compliqué, un peu compliqué, bateau communauté internationale OIA a pointé qui dit doigt na Nations Unies parce que le chef de l'État a tché ma fouta moto na kati ma fouta na Nations Unies en tant que poser qui problème ya RDC agressé par les Rwandais. Siko bateau yo balukaka déstabilisation à Félix Tshisekedi. Bateau bazo senga Tshisekedi azala té après 2023 entre autres les Kamberé le PPRD au Kamberé tu es perdu. Kamberé au PPRD na Kamberé. Fernand Kamberé. Na ba Martin Fayulu, okay. ba Frank Diongo, ba Tumusus ba na Katanga kuna, oh. Na ba communauté internationale, ba représentant la communauté internationale Mususu, Oyo Bazali ko Senga. Donc, au moins que ce sont les mêmes gens, Oyo Bazali ko comploté contre Félix Tshisekedi, Oyo Bazali ko luka à tout prix, bazo banga, que Félix a brigué deuxième mandat. Ok. Si quoi, il faut maintenant, sachant bien que le monsieur est assis sur une base où il y a eu des pèses, il faut maintenant, parce qu'ils ont cherché par tous les moyens, il faut maintenant les déstabiliser par son propre parti. C'est comme ça qu'il y a eu des pèses, jouer jeu. Comme les vieux Wakwenda, ils ont moi, na CDP, ils ont le pouvoir dans le CDP. Oh, CDP Ango, tant que vous avez dit que Jean-Marc Aboun, vous avez dit que parce que délai, il y a pouvoir, et si il est déjà. Il fallait pas organiser maintenant le congrès à CDP pour que vous leader Moussous. Yes, il y a un pouvoir, il y a un organiser le congrès. Maintenant, les autres structures, en attendant, formellement, comment organiser un congrès pour désigner le leader dans le CDP. C'est ce moment ici, a déstabilisé Félix à partir de la partie. Mais secrétaire, je dis, binomi ça tu bozali présidium.
Parce que Chabani, on n'a pas vu Chabani dans cette histoire. Effectivement. Chabani a quitté, secrétaire général. Secrétaire général, il est mort, il est membre du président. Si vous avez CDP, vous avez mort, vous avez l'Ongoli, secrétaire général. Et si matin, donc, c'était une démarche biaisée. Il y a des gens qui ont ça n'engage personne de tel cas. Alors maintenant, là, comme cette situation avait créé des frustrations et créé des troubles, les gens, on a vu des gens motivés par des billets. Il y a des gens qui ont permanence, qui ont tout ça. Alors donc, le col là, il faut répondre à la discipline. La commission de discipline est bien guillée à Boïkoya. Et bien guillée à Boïkoya, il y a une décision écartée. Et puis, il y a une décision, il y a beaucoup de décisions, il y a une loi qui est là, il y a une reconduite, Kabouya a continué. Il y a un plein, il y a redynamisé le parti au point que na Kisangani, Bomoni, na Lubumbashi, Bomoni, na Congo central, Bomonaki. Mais dans ma matinée politique, si vous avez déstabilisé à quelques mois, il y a une élection, au moins que vous allez déstabiliser le chef de l'État. Très bien. Si vous avez attaqué le chef de l'État, vous trouvez qu'il refuse pas à Wakwenda, ce qui n'a pas réussi. Donc, en quelque sorte, ici, le président Manoka Koloba, santé politique, qui a IDEPES, ils allaient au bon fixe. Au bon fixe, le secrétaire général. Le chef et exécutif, il y a eu des pestes, le secrétaire général Augustin Kabouya, si on nomme et le moins à bout du parti, Azali, bel et bien, en place, et à Kokamba. Masolo, d'ailleurs, lobby, à Rosalana, va sectionner un nionso, pour rassurer Bango que mon pepewana, ils ont déjà maîtrisé Bobang la binoté, les vieux Wakwenda ont déjà à l'écart. D'ailleurs, Kalaming était Bokoyo, Kapé, Takanisi, Bakobenga et dans le parquet. Il n'y a pas de se justifier pour que vous ayez un parti qui a été fait à Tika. Très bien, vous avez dit que vous avez une émission de plus de 137 000 abonnés qui ont été scotchés à Rwanda pendant près de 40 minutes. Je vais vous concerner l'actualité politique en Boka. Mais ça, je dis que vous avez un abonné à Congolais Télévision à Rwanda. La minute, non seulement il y a une nationalité congolaise, il y a plus de différentes nationalités pour vous avoir une minute à Rwanda. Na ba abonné na biso nyonso na ko yisa bango que bayeba ke mboka oyo Congo oyo tuna na kitamingi République démocratique du Congo ezali mboka oyo Nzambe a kanisaka ke batu oyo bakovanda wana baluka koyeba volonté bayeba volonté na ye Nzambe na kati ya mabele ya Congo. Parce que bateau et bayaki koye bisabiso ba géographie na bango ba tangisi biso ba géographie ba Pérou ya ba vallée ya ba Canada ba kudo ya ba Amérique du Sud mais ba bosani koye bisabiso ba mai na biso yinkisi ba montagne na biso ba tour na biso ya ba Nkamba awa ba benga ya Nkamba ya awa la ba Congo na Congo central ba ebisi biso te ba mai na biso ya Ubangi. Il y a rivière Ngiri, il y a des alors, les Congolais, le ministre de l'enseignement primaire, ensemble, Tokolonga vers un bon développement. La présidence européenne se contacte pour Nabato, nous avons besoin de rejoindre directement. Numéro d'Abiso à téléphone, plus 243 81 84 25 300. Toton Diomaton Deming, président pour la dissolution. Merci.